Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on est parti pour faire un DIY de Noël. Je pense qu'il y avait des indices là. Donc l'année dernière on avait réussi à faire un magnifique. C'est une boîte à musique. C'est une petite boîte à musique, je sais pas si. Ouh, attention les droits sur YouTube. Allez. Il a mal survécu à l'année de storage, on va dire voilà. Ça. Donc cette année, eh ben, on va pas mettre les bouchées doubles, on va plutôt partir un niveau en dessous. Donc on va juste coller en fait. Voilà, on va juste coller un sticker. Un sticker sur un chapeau de Père Noël. Parce qu'on n'a jamais assez de chapeau de Père Noël. Alors en plus je fais ça avec un seul œil. Pourquoi? Ah on peut les enlever quand même. D'accord. C'est bon. On avait une autre réalisation quand même de l'année dernière qui est peut-être du coup un peu mieux. C'est vrai que c'est mignon ça. Voilà. Ça tu peux le garder en plus pour la vidéo. Ça c'est sera parfait. Parfait. Vous avez vu notre beau sapin quand même? Ouais. Hey. Tout rose, un bon sapin gay, c'est bien ça. Vous lui mettez combien alors pour mon plus beau Noël? Voilà, c'est notre esprit de Noël. Et ben moi je trouve que rose ça fait pas Noël. C'est vrai. Et les plumes, et ben ça fait pas Noël. Tu vas te les mettre dans le cul les plumes. Pour défiler à la Gay Pride, non? Voilà. Comme ça, ça sert toute l'année. Vas-y. Oui, c'est un peu brillant. Donc toi tu as sapin. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Oh non, oui, j'ai vu. Attends, je l'ai fait à la version des chorales des petits enfants là pour les petits prêtres qui nous regardent. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Moi j'ai le Père Noël. Oh oh oh. J'ai des choses dans la... En plus t'as un petit peu de barbe blanche. Oh alors, donc il y a celui vraiment à coller. Donc il y a celui pour faire croire que c'est juste mignon. Voilà. Et puis ben, celui parce qu'on est une vraie chaîne gay. C'est offert, je sais pas, c'est marrant. C'est avec, alors forcément nous on va le mettre quand même. Ouais, ça c'est le lobby gay en fait, en puissance. En Chine. Ouais. Qui... Voilà, qui veut renverser Noël. Donc alors. Et donc tout ça, bah sur un. Hein, sur un chapeau de Noël à 20 centimes fait en Chine. Voilà, juste à côté. Avec un peu de chance par des petits elfes. Ah, des petits êtres de moins de 13 ans. Bon alors. Ah, mais non, j'étais tout de suite attiré par cela, mais non, c'est vrai, c'est pas maintenant. Ça, c'est pour plus tard. Quoi. Voilà. Je m'en mets même sur toi pour le ouais. Noël, c'est trop chou. Ouais. Non, ou le 31 pour c'est la vrai. Soirée du réveillon. Avec tous nos amis. Venez en Chine. On doit faire un live pour le 31. C'est vrai. Comme il y a les questions d'avance, du coup eux ils seront tout seuls parce qu'on aura du monde. Alors. Bon, le premier devrait pas être trop compliqué parce que je pense que c'est juste un sticker à décoller et à coller. Ah mince, faut pas les décoller un par un. Je crois pas. Non. Donc voilà, ah, oui. C'est notre gros niveau de DIY. Ouh, ouais. Attention, hein, c'est fait main. Est-ce que c'est tendance par rapport à côté maison 2018 Non, parce que c'est pas. C'est vraiment, c'est un retour un peu aux choses plus essentielles, au bois, la fourrure, aux choses naturelles. Je sais. Voilà. Il est bêtise. C'est vrai qu'on mange très bien pour sortir. Ouais. C'est pas mal en fait, on devrait vendre ça. Ou aller à la gym. Ouais, puis à la fin, petite épilation. Ça va, j'ai pas grand chose. Non. Donc oui. Alors attention. Ouh. Donc lui on le voit alors qu'il est moche. Hein. Lui il m'a coûté vraiment quoi 30 centimes port inclus. Parce que tu sais, parce que vous savez qu'ici on est en Chine et du coup les décos de Noël on les a vraiment au prix. Bah, au vrai prix quoi. Voilà. Au prix que ça sort d'usine. Alors on vous dit Action et quoi. Ouais, même Action, Nose et compagnie, c'est trop cher. Ouais. Alors attention, je colle et je suis un artiste aujourd'hui. Et ben voilà. Et toi Nicolas, Nico ça prend toujours plus de temps. C'est comme quand il se branle, c'est toujours plus long. Voilà, voilà. Oh, ça y est, c'est fini. Bon, est-ce que j'ai envie de le mettre sur la tête alors que nous sommes allés chez le coiffeur hier et que ça nous a pris vachement de temps en fait. On sait pas. Bon, vous trouvez pas du reste qu'on ressemble à deux jumeaux maintenant avec nos... Oui, c'est rigolo, c'était très chine hein. Ouais. On a demandé deux coupes différentes. Ouais.
à la fin, on en a tous une autre et la même. Ouais. Oh, ça ressemble, hein. Coupé court sur les côtés, voilà la version. Hein. Nico, ça fait tout de suite un peu plus sombre période. Là encore, ça va, mais la fois d'avant, ouais. On ressemblait vraiment à un officier SS en s'en. Là, c'était pas cool, quoi. J'aurais été beau gosse à l'époque. Il y aurait eu des femmes tondues à cause de moi. C'est pas être esprit de Noël, mais. Non, c'est pas esprit de Noël. Même le prince, quoi, c'est le prince William là, qui s'était déguisé, oui, il aurait pas osé. Donc attention, hop, ouais. Ça rentre même pas dans la caméra. Attends, faut que je retire mes oreilles d'abord. Bon, on va peut-être en rajouter un petit peu. Moi c'est le niveau côté, c'est moi c'est genre sorcière là. No good deed. Non, tu vois pas? Si si. Je connais jamais les paroles. Si ça, je connais. Will I do again? Ah bah en fait c'est vraiment pour mettre n'importe où. Hein. Okay. C'est montré à l'arrière, vraiment. Tu peux customiser ta tasse de café. Oh, c'est pas mal. Ton ordinateur, là ton petit ordinateur Apple, hein. Il y a bien la petite pomme. Tu peux mettre ça partout. Ou sinon ta voiture. Ton volant pour être un bon kéké. Une kékette du coup. Une kékette. Tu peux être une bonne kékette. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Nico? Bah on va faire une petite chaussette. Tu commences à t'éparpiller, hein. Un petit cœur comme ça, il m'appelle quand même, hein. Bon. On va faire une petite chaussette. On fait une petite chaussette. Ou tu veux faire un peu de glu, hein? On aime bien la glu. C'est vrai, on en fout partout. Toujours plus marrant. Moi, je fais la glu. Ok. Ah bah c'est encore un chapeau de Noël. C'est joli, n'empêche. Je sens que tu ne vas plus t'arrêter. Non, c'est bon. Hop, voilà. C'est l'esprit de Noël. Faudrait que ce soit rouge. Bon, apparemment, c'est plus pour. Bon, alors moi, j'ai encore. Ah. On a trop du style. Hey, influenceur de tendance. Christina, si tu nous regardes, ma chérie. Mais je les ai pas, ils sont pas tous la même couleur, hein. J'ai dépareillé. Ouais. J'ai bien écouté. Hein. Donc alors, moi j'ai encore un chapeau. Celui-là, il a l'air de moindre qualité. Il a 10 centimes par contre. J'ai de la glu. Ah bah, j'ai un peu les mêmes. Ah oui, mais de Noël cette fois. Ah bon? Enfin, d'hiver. Voilà. Des flocons. Je ne sais pas si le violet, c'est très tendance quand même. C'est très tradition de c'est Noël. C'est pas une couleur assez chaude. Et toi, Nico, t'es plus tradition, vert et rouge, doré, peut-être un peu d'argenté au pire. On aime bien les choses un peu tradies. Je pense qu'on aimerait bien un petit sapin avec des petits sujets plutôt bois et des trucs rouges. Un peu esprit scandinave. Voilà. Ouais. La dernière fois qu'on a fait un sapin de Noël, il y a 5 ans, la seule fois d'ailleurs qu'on a eu un sapin de Noël, qu'on a fait nous-mêmes avec un vrai sapin naturel. Ah oui, c'est vrai qu'il était naturel. Des points de plus. On l'avait donc bombé en blanc et c'était que bleu et argent, je crois. Ouais. C'était vraiment joli. Et assez... Bah, il va avoir autant de boules que lui, mais sur un sapin de 1m50. Mais alors ce petit sapin du reste, parlons-en les amis. Donc il est... chargé. Mais alors Nico, tu l'as trouvé donc sur internet. Oui, bah, il sortait au bas. Okay. Ici. À un tout petit prix, donc au petit prix de 5€. Tout inclus, port inclus. Avec les boules incluses. Eh oui. Ça en fait et pas les guirlandes, parce que les guirlandes, c'est out. Hein. Ouais, les guirlandes, c'est cool. Ça, c'est vraiment chez nos grands-mères. Ouais. On en voit parfois de la famille. C'est ma mère. Voilà. Pas citée. Qui nous envoie leur sapin. Mais on comprend pas. Les gens ne regardent jamais mon plus beau Noël. Bah, non, je trouve que ça marche pas. Ça marche pas. Non. Enfin bon, c'est pas tout, mais il faut gluer. Donc, on peut faire appel à de la glue facile vraiment à faire. Sinon, ce qui est toujours marrant, c'est avec les sticks glu, on s'en fout vraiment partout. Ah ouais, mais ça, déjà, avec de la glu normale, tu t'en fous partout, toi. Mais alors, avec voilà, moi, ça. Avec juste du chocolat, on s'en fout partout. Bon, alors. Tu... Alors, t'as qui, toi? T'as qui? Ah oui, non, on fait pas la même chose. Non, moi, non, j'ai une petite chaussette. Même si nous avons la même coupe, nous sommes des individus différents. Il y en a beaucoup. Mais je sais pas ce que c'est, son tête, moi. Ah, c'est le sapin de Noël, hein. C'est le moins bien de tous, dis donc. Et si on chantait un petit peu pour Noël du reste? Alors, oui. All I want for Christmas is you. Hop, et là, 3 personnes de moins. Oh. Non, alors sinon, toi, plus jeune, est-ce que vous aviez comme ça justement une tradition de Noël? C'est aller à la messe de 18h. Ouais. 18h30, je crois, à l'église de Saint-Germain.
Puis après faire le réveillon. Normalement, c'est le réveillon, c'est juste avec mes parents. Ouais. Et ou alors après, ça a été, enfin, ou avec du côté de ma maman, ses sœurs. Enfin, du reste, bon, un peu triste. Et après le jour de Noël, c'est avec la famille de mon père. Et là, Il y a plus de monde. plus de cadeaux, tout ça. Il y a ma grand-mère aussi. Bon, bah super. Voilà. Voilà. Bah, Bon. c'est bien, je peux mémorer un peu les choses Ouais, mais c'est aussi. triste après. On se rappelle du coup qu'on est ici et que Comme des on est, malheureux. ouais, comme tout triste en fait. On Voilà. en est ensemble, c'est bien. On crée nos propres traditions. C'est vrai. Hein? C'est pour tous ceux aussi, pareil, qui sont loin de chez eux ou que ça se passe pas très bien avec leur famille, ils sont C'est rejetés. quoi ça? Je veux chanter Chanter pour pour ceux ceux qui qui sont sont loin loin de de chez chez eux. eux. Voilà. Et qui, moi, comme nous, doit être un petit peu triste du coup de ne pas pouvoir faire de Noël plus comme quand ils étaient jeunes. Mais c'est pas grave, on recrée ses traditions, on recrée son cercle familial. Voilà, nous deux, on a nos petites traditions. Voilà, Si on on. pouvait avoir un petit bébé cambodgien ou chinois quand Pour même, Noël. pour nous. Papa Noël, si tu nous écoutes, j'ai été très sage cette année. Voilà, ou si, voilà ce qui nous écoute, si vous avez un petit frère, une petite soeur, vous en avez. Qui vous fait chier, vous voulez vous en débarrasser, contactez-nous. On regarde tous les policiers, on sait comment faire sans laisser de traces. Bon, qu'ils soient pas trop moches quand même. Parce qu'en Chine, on ne voit que des bébés trop mignons. Hein. Alors, un bébé moche qui pleure, qui est tout rougeau, là. Ah, les bébés. Navré pour ce commentaire encore raciste, mais les bébés blancs ont toujours l'air ingrats. Alors que les bébés Ah, chinois, c'est vrai. chinois ou africains ont. Toujours l'air tellement mignon. Et c'est vrai que les bébés chinois ici sont adorables, quand même. Allez, on est parti, cette vidéo va encore durer des heures. Mais déjà, moi je suis pas doué, pourquoi il y a ça? Commence bien. Commence bien. Le made in China est pas toujours au point. Ah bah, à ce prix-là, hein. Bah oui, comment on fait pour... Ah. Hop, voilà, heureusement. Hein. Je fais des bêtises, mais je suis quand même MacGyver. Hein. C'est vrai que Nico sait tout faire quand même. Moi, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Ce que je me disais avant-hier, je crois. Vraiment, je suis mais nul de chez nul. C'est pas que t'es nul, c'est que tu fais rien et que t'as Ouais, jamais que rien je fais fait. rien. Super, c'est encore mieux. Mais non, mais. Du coup, on a tendance à te materner et à tout te faire. Mais Faut te non. laisser faire les choses, tu sais les faire. C'est vrai que je sais prendre le Petite métro. petite séance de psychothérapie en même temps. Là, vous allez vraiment tout savoir de nous. Hein. Je suis l'enfant unique, couvé, tout ça, donc... Voilà. Okay. Nous, on était quatre enfants. Pourtant, j'étais couvé aussi, hein, Voilà, faut quoi. savoir Mais. coudre apparemment, réparer ses chaussettes. Moi, je savais faire tout ça. Je savais tricoter, broder. J'ai appris ça en maternelle. Hein. Moi, je savais faire coudre des boutons avec ma grand-mère. Ah Ah, ouais? je faisais du tricotin aussi. Ah bah tu vois, tu sais faire des choses. Tu Ouais. faisais des bracelets brésiliens, C'est vrai, tu c'était ma vois. spécialité. Mais tu Ah savais ouais. pas que t'étais gay. Ah, celui qui m'avait appris à faire des bracelets brésiliens, je pense pas qu'il soit gay. Ah, comment ça s'appelait? Étienne Grosjean, un truc comme ça. Ouais. Bah voilà, hop, on avait dit qu'on ne reciterait plus les gens. On va le retrouver. Il habitait à Saint-Germain, Bah dans ma résidence. de plus en plus de détails. Juste Alors là. il est né tel jour. Mais après, il a déménagé, jamais revu. Faut bien ouvrir ça, non? Il faut qu'il y ait un trou. Hein. Ah, mais non, tu vas faire un petit point. Non? Alors ça, petit souvenir de l'année. Voilà ce que je m'étais rentré dans la cuisse en passant l'aspirateur. Si vous nous regardez vraiment, si vous êtes des vrais fans, hein, et ben vous vous souvenez. Donc on a avancé un petit peu, hein. J'ai fini de la construire et maintenant on va la décorer. Et toi, Nico, c'était quoi tes petites traditions? Je me rappelle pas vraiment qu'on en est. On n'écoutait pas trop de chants de Noël, un petit Ouais, peu. ça par contre, chez nous, j'ai toujours été un grand fan de chants de Noël. Mais Tineur aussi. Oui. Hein. Pas les Ariana et compagnie. Bah, Au grand désespoir de j'y allais pas Nico. à l'époque. Ah, voyons qu'après, moi, en fait, c'est facile. C'est autocollant. Ah. Donc, ça, j'aurais pas dû le dire. non, et puis bah, le réveillon, on le faisait que bah, mes parents, toutes mes sœurs. Et après, le jour de Noël, ça, avant, c'était entre chez mes grands-parents, chez ma tante, chez mes parents. Et puis bah, après, une fois que plus personne pouvait, c'était qu'avec mes parents.
mes sœurs et leurs enfants. Voilà. Tu te sens dans l'esprit de Noël en ce moment? Bah, on écoute les chants de Noël du matin au soir. Ouais, depuis sa fête. Depuis ma fête, depuis le 6 décembre. Ouais. On écoute que ça, du matin au soir, et puis bah, c'est décoré un peu Noël quand même maintenant. Ouais. Ah, en Chine, ils font pas Noël. Donc, c'est un peu plus dur de se sentir dans l'ambiance, surtout quand il fait 20 degrés. 20 degrés. Grand soleil. Heureusement quand même, donc ils célèbrent pas Noël en Chine, mais par contre, tous les commerces sont très commerçants des Chinois, donc ils ratent pas l'occasion de vendre un peu plus. Et donc par contre, les boutiques sont toutes décorées pour Noël. Ouais, pas toutes, mais en tout cas dans la partie centrale. Oui, bien décorées. Ouais, il y a des énormes sapins de Noël, il y a des vraies décorations, des petites fabriques du Père Noël, etc. Enfin, vraiment, voilà. Donc ça nous aide vraiment à nous sentir à Noël, parce que on voit vraiment quelque chose de Noël. Même dans notre supermarché, ils proposent même des petites bûches, des petites maisons de Noël. Ouais, c'est sympa ça. Des décos, voilà. Et au fait, ton repas de Noël, Nico, enfin, notre Mon repas de Noël. Alors c'est vrai, il faudrait que je commence un peu à trahir notre repas de Noël. Parce que ici, aller trouver du foie gras, du saumon, tout ça, c'est quand même plus dur. Voilà, ça se trouve pas vraiment dans les magasins, surtout le foie gras. Donc Nico va le faire. Tout fait maison. Non. Okay. Non. Heureusement, donc, vous savez qu'en Chine, on utilise WeChat à la place de WhatsApp. Tout le monde, vraiment absolument tout le monde a ça. Et donc, il y a plein de groupes et c'est comme ça qu'on trouve plein d'autres Français. Et en fait, il y a des Français qui sont quand même installés ici, qui sont des artisans et qui font des choses. Et donc, il y en a un qui est vers Shanghai, qui fait du foie gras, qui fait même du saumon fumé maintenant, qui fait des saucisses truffées. Voilà, donc c'est là-bas qu'on avait déjà acheté le foie gras l'année dernière. Donc, on va reprendre ça cette année. Du boudin? Non, le boudin, on l'avait acheté ici, il n'était pas bon par contre. Ah, c'est dommage, j'aime ça le boudin. Ça, il en fait pas. Du saumon fumé, on peut en trouver. Le problème, c'est le plat. Ouais. On peut trouver du poulet, des dindes, pas vraiment. Donc, bon, poulet, ça change pas trop du reste de l'année, quoi. Des dindes. Et des dindes, ça y en a ici. Et l'année dernière, on avait trouvé un bon une sorte de... C'est un filet mignon en croûte. Est-ce que Noël, ça va? Bah, en fait, ça va quand même, parce maintenant qu'on a fait un Noël à Las Vegas, on sait qu'on... À ne pas faire. Non, à ne pas faire. On avait bien mangé. Ouais. On sait qu'aux États-Unis, par contre, pour Noël, ce n'est pas la dinde. Ça, c'est pour Thanksgiving. C'est du bœuf, sont du bœuf en croûte, comme un bœuf Wellington. Et c'est super. Ouais. Donc on va peut-être essayer de faire ça cette année. Et la bûche? J'aimerais bien essayer de faire une bûche aussi pour la première fois. On a enfin acheté un petit four. Et sans gluten? Ça je sais pas quand même. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué, ouais. On veut quand même que ce soit bon. Donc ça voilà, ce qu'on vous a dit, si vous nous suivez, qu'on ne mange plus de gluten. Mais je pense que pour mon anniversaire, demain, on va faire un petit écart. Voilà. Ben vous le verrez en vidéo normalement. Hop. Et pour Noël. Ce n'est pas trop feignant. Et pour Noël, on va faire aussi un écart. Ouais, donc on va essayer de faire une bûche. Alors, première tentative, je voulais faire une sorte de bûche un peu évoluée avec un cerf de pâtes de fruits. J'ai fait des pâtes de fruits pour la première fois hier. Bon, bah finalement, elles ont fini dans des crêpes. Comme de la confiture. Comme de la confiture, parce qu'elles sont jamais prises. C'était bon quand même. C'était de la confiture, marmelade un peu. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est bon les pâtes de fruits. Ouais. Bah ouais, j'aimerais bien ça en faire. Et Diar, si tu nous regardes. C'est mon avis. À Macao, ils doivent faire plein de trucs. Ouais. Macao, là, il y a Pierre Hermé, il y a tout le monde. Ouais, mais là, c'est pas notre budget. Puis on va pas aller à Macao pour. Pour ramener une bûche. Moi, je crois que j'ai fini. Ah. Enfin, toi, je suis sûr que t'en mettrais plus. Parce que Nico, son style, c'est. Over the top fabulous. C'est pas vrai, mais c'est mignon le petit sticker que j'ai mis sur les fenêtres. C'est vrai. Ça fait Noël. T'en es où là? Oh, c'est mignon. C'est mignon. Ouais, ça prend en tournure. Alors désolé, c'est toujours la vidéo, on vous regarde pas beaucoup. Ouais, alors que vous voulez voir nos yeux, c'est ça? Tu parles, on sait ce qu'ils veulent voir. C'est pas sur YouTube. Alors malheureusement, ce sera plus sur Tumblr. Ouais, ça c'est abusé. Là, on est en train d'exporter en même temps. J'espère que ça va marcher, sinon on perd toutes nos photos de bites. Ouais. Ça serait... C'est dingue quand même. Ouais. J'en ai plein les doigts. Plein les doigts. Normalement j'en ai plein la bouche. Ouais, demain j'espère bien. Demain je vais en avoir plein la bouche. Demain faut qu'on fasse une petite vidéo just for fun.
dans les toilettes du Bellagio. Hop. Alors Nico, t'en es... Oh, c'est vraiment mignon. Peut-être que tu pourrais mettre un truc de chez moi aussi. Ah, on avait dit plus de guirlandes. Bah oui, mais c'est ça qu'ils ont prévu pour le sapin, j'y peux rien. Ah, il est mignon quand même ton truc. Ouais, bah il y en a d'autres. Ouais. Ah, mais on va pouvoir s'occuper. C'est un peu ça en fait, notre tradition de Noël. Ouais, ça fait un moment en fait. Bah déjà, c'est à Las Vegas qu'on avait démarré les diarrhées comme ça. On c'était avait fait peut-être le meilleur moche. Qu'on ait fait, non? Ouais. Le pull de Noël. Mais c'est qu'à l'époque, on pouvait encore être torse nu sur YouTube et pas être. Ouais. Et pas être démonétisé. Et en plus, on avait fait notre spray tan, du coup, on était tout bronzé, beau gosse. On était beau gosse, là, on est blanc comme des gants. Ouais, bah là, on est esprit de Noël. Hein. Ouais. Là, la neige, je la fais moi. Hop, Nico. Non, parce que je peux en coller indéfiniment. Ah oui, non, t'as pas fini quand même. Non, j'ai pas fini. Et ben, meublons. Oh, elle va être longue cette vidéo. C'est comme c'est faire. C'est toi qui vas la monter. Non. On se demande encore. On aurait dû faire un FAQ en même temps. C'est vrai. Alors, quelles questions vous avez à nous poser? Vous posez toujours les mêmes, alors on doit pouvoir le faire quand même. Donc, on est ensemble. Ah oui, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 14 ans. Ouais, et demi. Et puis. C'est important quand même. Non, nous ne sommes pas mariés. Non. Toujours pas. Non. J'attends d'être vraiment sûr. 14 ans, je sais pas. Ça me paraît un peu presser les choses. Ouais, non, on attend toutes les crises de couple là. C'est quoi les couples? C'est 3. C'est 7. Ah, je sais pas ce que ça va presser dedans, ouais. 15 peut-être. Peut-être. Ah, donc on verra l'année prochaine. Donc si on passe les 15 ans. Si on vous promet, on se paxe. On fera un live stream. Du reste, ça pourrait être un live stream parce que c'est long et c'est chiant. C'est vrai qu'on aurait dû faire un live stream plutôt. Ah oui, comme ça, j'aurais pu poser des questions en même temps. Mais oui, mais les quelle heure? Il est 10h30. Enfin, ça, 31 au soir, qu'on n'aura rien à faire. Ouais. Ouais, en tout cas, mettez-nous en commentaire, vous, c'est quoi votre Noël? Avec qui vous allez le faire? Est-ce que vous avez des traditions? Ouais, tradition de Noël. Bon, Nico, est-ce que t'as bientôt fini? Parce que bon, là, ouais. Ton truc, mon truc, il commence à être un peu chargé, quand même. Ouais. Au joyau de la couronne. T'as qu'à m'aider à faire le mien, on finira plus vite. Mais il te reste quoi à faire? C'est tout ça à mettre. Bon, on va pas tout mettre, hein, parce que les pauvres, là, ils s'endorment. Mais il y a quand même des avantages à être en Chine. Les choses sont plus modernes, on sait vraiment tout livrer, on compte tout sur notre téléphone, enfin, tout est tellement facile. Bah, ça, ils sont bien forcés de se faire livrer maintenant qu'il y a les gilets jaunes. Oui, c'est vrai. Je sais pas s'ils peuvent livrer non plus. Non, je sais pas, les supermarchés sont fermés maintenant. Ils sont même plus réapprovisionnés. Ah ouais, ouais. Du coup, c'est eux, comment ils vont faire? Ils sont un peu comme nous en fait. Est-ce qu'ils vont trouver du foie gras et compagnie? Là, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait que, du coup, grâce aux gilets jaunes, comme les supermarchés étaient vides, bah, elle arrêtait d'acheter plein de conneries, qu'elle avait économisé plein d'argent. Et que du coup, elle allait continuer comme ça. Et ben, hey. Bah voilà. Bah, bravo Macron. La décroissance. Bravo. On va voir si ça marche bien, décroissance, tiens. Tiens, oui, tiens, les gens vont perdre leur emploi. C'est bien. Vraiment. C'est bien. Alors, je vais pas faire comme sur le dessin, je vais plutôt la mettre là, l'étoile, ça me paraît plus intelligent. Hop, ah bah il est fini. Allez, on donne le résultat, fini, Nico, parce que là, vraiment, là, je sais même pas combien il y a de personnes qui a... Là, il y en a plus que 12. Il y en a plus que 12, ouais, mais alors s'ils sont allés jusque là, par contre, pour nous, c'est jackpot. C'est bon? Allez, une petite boule. Ah ouais, une boule quand même. Voilà. Voilà. Histoire 2. Bon. Allez, attention. Reveal. 1, 2. Tadam! Et tadam! Le mien est plus mignon. Ouais, le tien est mignon quand même. On devrait me sortir avec. Oh, ça ne les dérangerait pas ici, hein, je suis sûr. C'est clair. Bon, non, hier en rentrant, on a vu deux gars en robe de chambre, sans rien d'autre, hein, en robe de chambre en train de tirer un chariot plein de poubelles dans la rue. Personne se retourne, personne ne regarde. Mais on a vu une fille aussi avec une barrette, petit Noël, un truc comme ça. C'est normal ici, on s'en fiche. Ouais, ou un truc de licorne aussi. Ouais, ah oui, la licorne c'était mignon. Ouais, c'était mignon, ouais. Voilà. C'est la Chine. C'est vraiment chou, mais ça sert à quoi? Ah, c'est pour. Bah, c'est des petites bottes de Noël. Ah, d'accord. Tu mets les cadeaux dedans. Ah, tu vas me mettre quoi dedans? Ouais, c'est bien, j'ai pris une petite. Ouais, tu vas me mettre. Des pièces, des billets. Des pièces, c'est des billets. Regarde. Hop, un yuan. Voilà. Et joyeux Noël. Nico a toujours été un peu rat. C'est son problème. C'est une pince. C'est pas vrai. Il surveille les cordons de la bourse. Ouais. Bon, allez, nous, en tout cas, on vous souhaite un.
Joyeux Noël. Des bonnes fêtes en tout cas, parce que c'est peut-être pas joyeux Noël encore, faut le c'est oui, 25. C'est vrai. Et on vous fait des bisous bisous. Bon alors Nicolas, on va chanter un peu nos chants de Noël préférés. Ok, alors il y a Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec mes jouets par milliers, ton ton non non, n'oublie pas mon petit soulier. Après on aime quoi aussi? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Ho! Vive... On aime la version de Dalida. Oui. Quand vive même. Le vent. Moi je veux mourir sur scène. Ensuite on aime oh mon beau sapin. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Parure! Ah. C'est la version rock voisine. On aime Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Oh! Mais Babou il aime surtout le passage avec comment. Peuple à genoux, attends ta délivrance, Noël. Donc là on hésite entre Tino ou Ginette Renault, elle est bonne aussi. Ouais. Qu'est-ce que, ah, il s'appelait Nez Rouge, comme il était mignon. Avec son petit nez rouge, rouge comme aluminium. On aime aussi Jésus est né en Provence, entre Avignon et les Sainte Marie. Je pense qu'on peut toujours chanter que faux des chants de Noël. Ouais, on s'en fout. Je trouvais que c'était pas si mal, moi, pourtant. Moi, je suis faux. Et qu'est-ce qu'on aime encore? Putain, on en écoute. Hein. Ah, on a eu Noël interdit de Johnny. Mon Noël interdit. Ah, on en aime tellement. Mais oui, on aime trop. On va faire un top Spotify des chants de Noël. Ah ouais, mais ça va être trop long. Elle est trop long cette vidéo. Non, on arrête. Nouvelle vidéo. Ah, carrément. Nouvelle vidéo. Oh non, 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 j'en ai marre de monter. Allez, ça suffit. Allez.